Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2. Bienvenue dans cet épisode 7. Comme d'habitude, prenez de quoi boire et pourquoi pas de quoi manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Et désolé de ne pas avoir mis beaucoup de vidéos ces derniers jours. Mais je me suis énormément concentré sur la fin de Spider-Man qui était juste incroyable. Et je vous ai sorti The Best of the Best of. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est le Best of numéro 35 qui est un condensé incroyable de rigolade. Et je me suis, j'avais besoin de repos, je me suis concentré sur quelques petits projets qui arriveront l'année prochaine. En attendant, j'espère sincèrement que cette aventure sur Red Dead vous plaît et on va maintenant pouvoir se concentrer dessus. Alors Suzanne, ma sœur, il y a quoi? D'accord? Portez-vous bien, Monsieur Morgan. Merci à toi, Suzanne. Je veux plus te voir. Tu dégages, s'il te plaît. Donc, on avait ramassé quelques dettes lors du précédent épisode. Là, on va vraiment pouvoir se concentrer uniquement sur Red Dead parce qu'on a terminé Spider-Man, hein, évidemment. Donc, d'ici la sortie de mon jeu préféré en janvier, eh ben, vous allez en bouffer du Red Dead et je pense clairement qu'on va kiffer. Vous étiez très nombreux à m'avoir engueulé aussi, les gars. Vous êtes parfois très méchants et très, très, très cruels. Vous étiez nombreux à m'engueuler parce que je nourris pas mon pur sang. Je peux vous comprendre, il n'y a pas de souci. Mais les gars, mon pur sang, il se nourrit que d'oxygène, ok? Donc arrêtez de faire vos rageux un petit peu. Allez, il est temps d'aller faire une nouvelle mission à, avec notre prisonnier, voilà, qui est attaché à un arbre. Le ragoût est en train de cuire. Revenez l'après-midi. Oh, ils abusent. Bon, vous êtes prêts? On est parti. Je peux le provoquer, je peux le menacer. Juste provoquer, tiens. Vous avez des choses à faire. Not that old gang of yours. I said, I told you, I don't know nothing. That's what I thought. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You got some speaking to do of your own. Not that old gang of yours. I said... Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastard! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, okay, listen. I know where O'Driscoll's holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Killed him. Both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. But you sure as shit was. John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. Well, I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. Montez sur votre cheval derrière Valentine, aucun problème. Bon, mon cheval est juste derrière, on va le récupérer. Regardez ce pur sang. Il a des couilles incroyables, énormes et sèches littéralement. Coucou mon cher Thibaut Inchap. Ok, très bien, regardez ce qu'on va faire. Déjà, on va nourrir le cheval parce que vous êtes nombreux à m'avoir engueulé en mode « Ouais, mais B-Boy, tu veux tuer ton cheval, ça va. » Respirez, ok? Je fais ce que je veux, c'est mon cheval. On va le régaler. Allez, voilà, on le régale comme ça. Voilà, il va pas crever. Parce que, non, je me suis fait engueuler, hein. Je me suis vraiment fait engueuler, hein. C'était terrible. Je peux pas passer en mode cinématique.
You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Bon, clairement, je vous dis... You got throwing knives in your saddlebag. Il y a des couteaux de lancer dans ta besace. Doug said that you might... I was asked to give them. And I'm doing you the further courtesy of telling you about it. J'ai next des couteaux de lancer. Give me something. How about you give it to me? Instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. Hey. Ça sent le trick, les gars. Ça sent le piège. Je le sens clairement pas, celui-ci. Yeah. Je le sens clairement pas. Par contre, j'ai des couteaux de lancer, ça c'est cool. Take this track up on va prendre the rocks. Le sentier dans les rochers. Il veut me semer, là, non? Ah, on peut lui demander à John si ça va. C'est la famille. John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, hiding behind your woman, way you were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. You see, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young feller. Right at the forefront of it. I swear, I promise, I am taking you to Combe as best as I can. You'll see, I'll make good. Je sais pas, c'est bizarre, frère. Hein. J'y crois moyen. Si je peux me permettre cette petite expression des familles, comme disait Oncle Benz, un riz, c'est cuit en 3 minutes. Et là, là, je sens qu'il veut nous usurper et on en aura bien pour 4 ou 5 minutes supplémentaires. Ça sent pas bon. Voilà les collines, c'est par là. Épuisez pas vos chevaux, ça va grimper. Très bien. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law, nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Combe's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're okay. Almost on them. On y est presque. Now, who knows if this son of a bitch we got with us c'est is mal, talking c'est true, de conversation, but if ça it's what he says it is, and Combe O'Driscoll's here, we can end years of fighting, here and now. Amen to that. Here, here. I swear, this is where he was... Shut up. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going okay. In quiet. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. Bon, on va essayer de la faire doucement, en infiltration, en silencieux. Et si jamais ça dérape... Bon, les gars, on sort le Colt, évidemment. On crame tout, rien à foutre. On passe par le bois, putain. Mais alors, comment ils ont fait leur système de cinéma, de caméra? Pourquoi la caméra choisit tel angle en fonction du chemin? C'est assez étrange. Ça m'intéresserait de savoir un peu comment ils ont programmé tout ça. Parce que je trouve ça assez fascinant. La caméra se gourre rarement d'angles. Et des fois, prend des angles assez spectaculaires. Ok, si vous êtes près de votre cheval ou si vous êtes au-dessus, maintenez L1 pour parcourir les armes qu'il transporte. Si la discrétion est de mise, profitez... préférez, pardon, excusez-moi, des armes silencieuses
comme l'arc ou le couteau. Ok, on va prendre déjà un couteau. Et ensuite... on s'équipe de là. On va garder là. Ok. Off your horses. Let's go. Très bien, on va y aller à pied. I said easy. Bon, nous y sommes. On laisse les chevaux ici. Ok. It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on, it'd be suicide. You'll die, boy. But you lose your balls first. Jesus Christ. Et là, je sais pas si Jésus peut faire quelque chose pour toi, mon frérot. Ok, on y est. Je reste un petit peu en retrait. Je laisse aller, on verra un petit peu ce que ça va donner. Regardez cette belle bande. Bon, sauf ce traître juste en face des O'Driscoll. Ok, putain, on dirait. Là, je suis dans Far Cry, frère. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah, yeah, yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Mm-hmm, yes, sir. Come on, shake it off. Okay. What are we doing about the pisser, Morgan? Oh! Oh non, je voulais pas faire ça! Allez, ça dégage, hein. Je voulais pas faire ça, je suis désolé! Mais non, putain, j'ai confondu L2 et R2. Oh non, la loose! Oh la loose! Bah les gars, c'est pas grave, hein. Oh merde. Ok. Il y a un gars là-haut, mais j'arrive pas à le localiser. The lose. The loser. Ok. Ok. Ça dégage. Ça dégage. Putain, c'est chaud. Attends, mais ils prennent à chaque fois ma couverture. Ok. On est pas mal. Putain, il est résistant celui-ci, hein. Oh, mais the lose, hein. Vraiment, hein. Ok, on va se caler ici calmement. Ok. Headshot. Ok. Oh merde, putain, j'aurais pu faire ma première phase d'infiltration. C'est toujours terrible mes premières phases à chaque fois. Ok. Aïe. Aïe. Ok. Bougez pas. T'as voulu détrôner le duc. Il y a un mec à droite, je l'ai vu. Ok, c'est fait. Oh putain. Ça y est, c'est fait. C'était terrible, hein. On va pas tous les fouiller. Oh bah d'accord, il est fouille. Oh bah d'accord, bah les gars, bah vas-y, hein, allez-y, hein, fouillez tous les gars, hein. On va en fouiller juste quelques-uns, histoire de, tu vois, ramasser 2-3 petits trucs. Ah, c'est terrible les amis, c'est terrible ce qui s'est passé. J'en suis fort navré. Quelle erreur du joueur français. J'aimerais récupérer une petite jauge de sang-froid.
Ça, il m'en reste combien? Il m'en reste un sur deux. Putain, c'est terrible. Bon, on va en boire un. Hop. C'est bon. On récupère calmement sa jauge de sang-froid et beaucoup de vie. Ah, c'est incroyable hein, ce qui s'est passé. J'en suis vraiment désolé. Mais quelle erreur! Non, je sais pas, j'étais ailleurs et j'ai totalement confondu R2, L2. Bon, bah, les gars, bon, bah, j'ai tiré une balle. Voilà, il était en train de pisser, le mec. Je fais quoi? Moi, les mecs qui pissent, moi, ça me dégoûte. Ça me donne envie de vomir. Bon, je tire une balle de Colt, évidemment. Je vais créer un deuxième trou de balle, si je puis me permettre. Ok. Un jean entamé. Bon, bah, on est parti, les gars. On va fouiller là-dedans. Ouais, non, je vais peut-être fouiller la petite cabane. Il y aura peut-être des choses intéressantes. Ok, go. Peut-être là, le Colt, non? Ça me paraît être le meilleur... Ah, par exemple, entretenir. Qu'est-ce que c'est, entretenir? Oh! D'accord. C'est pour voir un petit peu les dégâts, cadence de tir et tout. Putain, ils sont vraiment allés... vraiment loin, oui, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est parti. You alright? Sure. Thank you. Como Driscoll. He ain't here. You've set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como Driscoll's gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. Ok. Bon, on va voir s'il y avait des lovés. Ça serait plutôt pas mal. Et on va essayer de... Tiens, on prend déjà une pince à billets. Ah ouais, ça en prend, les gars. Pour mettre la YouTube monnaie. 13$. Encore une pince à billets. Oh, on prend, les gars. 10$. Mais non, mais c'est trop tout ce qu'on trouve. Encore une pince à billets. Mais je joue au poker. 14$. Eh, insane. Les gars, franchement, hyper rentable. Hyper rentable, cette petite histoire. On va retourner au camp. Mais avant, on va fouiller. Hop, on prend un médicament. Ça, clairement, c'est toujours bon. En plus, c'est un médicament miracle, s'il vous plaît. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Fusil à double canon. Il est prêt immédiatement. Cette arme est sale. À force d'être utilisée, les armes deviennent sales. Pour les nettoyer, sélectionnez-les dans la roue des armes et appuyez sur R3. D'accord! Ok. Entretenir. Donc, ça sert à nettoyer. Très bien. Et je pouvais pas nettoyer mon col parce qu'il n'était pas sale. Oh putain, c'est tellement stylé. Et ça fait que quand tu nettoies, regardez les jauges. Les dégâts vont augmenter. La cadence de tir revient à sa base. La recharge aussi. Et l'état impeccable. Nickel. Nickel de chez nickel. Retourner par exemple. Impeccable. Ok, je suis content. Hop, on garde, hein, évidemment. Et on va fouiller en plus la cheminée. Pour ramasser tout ce qu'il y a là-dedans. At least you got something tucked away. Combien? Attends, je suis fou là? J'ai vu combien? What? 300$, c'est quoi qui valait 300 là, les gars? C'est quoi ce délire? Il s'est passé beaucoup de choses. Mission terminée. J'ai vu une clé à 300$. Genre un truc ultra rare. Ça ouvre peut-être un coffre, je sais pas. Ok, lui on va le fouiller par contre. Lui, à mon avis, il devait être plutôt bien, bien dans sa peau, si je peux me permettre l'expression. Ok, il avait quoi sur lui? Aucune idée, j'ai pas eu le temps de voir. Ok, bon. On va récupérer mon cheval. Qui doit être sûrement juste derrière. Ouais, c'est bien lui. Il a répondu. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que par exemple, toi, je peux faire arme rangée sur le cheval? Et je peux ranger ça? Non, je peux pas te le donner, frérot.
Non. Non, 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 on va garder, très bien. Oh, je sors tout. Je sors tout, j'en ai plus rien à foutre, putain. Quoi? Crime signalé. Ok, bébé. On se casse os, mon pote. Bon, il est temps de rentrer au camp. Crime signalé dans la zone. On va devoir quitter cette zone très rapidement. Où est notre camp? Il me paraît bien loin. Il me paraît bien loin. Et il est pas affiché parce que je suis en crime signalé. On se casse. On se casse très très vite de cette zone. Ça sent pas bon. Je suis recherché. Première fois qu'on a affaire à leur système de recherche. On va éviter de pas faire les fous. Enfin, on va éviter de faire les fous, pardon. Les représentants de la loi. Oh non! Oh non! Relève-toi! Oh oui, je t'aime. Les représentants. Bon, attention sur la route. Attention sur la route, comme d'hab. Les représentants. Ah, j'ai plus le temps de voir! Ne jamais lire pendant que vous conduisez. Putain, non! Je suis désolé, mon cheval, frérot. Oh, j'ai clairement pris ma part. J'ai clairement pris ma putain de part. Ok, on se casse. Ça y est, on est plus recherché. Boum, doucement. Voilà, on va rester sur la route, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a quelque chose. Une zone avec un point d'interrogation qui est inconnu. Il y a quelqu'un ici que vous pouvez rencontrer. Très bien, ok. Dutch, très bien. Parlez à Dutch pour savoir s'ils ont trouvé un acheteur pour les obligations volées. Où on va aller? Où on va aller? Je pense qu'on va aller voir Dutch, les amis. Ça me paraît être pas mal du tout. On va aller voir Dutch et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, le frérot. Sachant qu'on a terminé la mission et ça s'est plutôt bien passé. Allez, on est parti, direction chez Dutch. On fait une petite transition parce qu'il est pas à côté, le bougre. Et on se retrouve tout de suite juste devant lui. A très vite. Allez, nous revoici chez Dutch et au camp par la même occasion. Il est peut-être temps pour moi de prendre soin de mon cheval, c'est-à-dire... ah, il est en train de chier ses grands morts. Ça, ça fait toujours très plaisir, évidemment. On va le brosser, déjà. On va le brosser calmement, histoire qu'il redevienne tout propre, parce que là, il est sale. Voilà, hein, on a eu un petit accident tout à l'heure assez terrible. On va, je pense, le nourrir. Ça me paraît pas mal aussi. Tiens, mange. Voilà, une petite galette d'avoine. On peut le rebrosser encore? Est-ce qu'il peut être encore plus propre? Plus propre que propre? Je ne pense pas. Encore un petit peu. Voilà, parce que c'est la famille. Franchement, il fait plaisir. Et allez, on le renourrit encore. Franchement, il mérite. Voilà, c'est vraiment parce que je l'ai boycotté depuis qu'on l'a, c'est terrible. Une petite caresse. Voilà, tu me fais plaisir, mon grand. Et on est bon, les gars. Il est temps d'aller voir Dutch et voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Avant cela, on va déposer un peu d'argent. Ah, on peut s'asseoir. On peut jouer au domino. Oh, trop bien. Ce jeu est indisponible pour le moment. Waouh, super. Je vois que j'ai pas le level hein, pour jouer au domino. On va aller voir Dutch avant, on va remplir un peu la cagnole parce que c'est quand même le frérot. C'est pour le camp, c'est pour le bien-être de tous. Et c'est pas tout, on va peut-être améliorer le camp, ça pourrait être pas mal aussi je pense. Contribuer, on est parti. Il y a 1$ dans la cagnotte. Hein. Ça c'est terrible. Donner un objet ou donner de l'argent? On va donner de l'argent. On va donner combien? On va donner... j'ai 178$. Je vais donner 130. Ça me paraît être raisonnable. On donne 130$. Ok, pas autant quand même. Abusons pas de ma gentillesse, évidemment. Voilà. Allez, on y est presque. Hop, voilà, j'aime les chiffres. Voilà, faire don de 130$. Ça, c'est fait. Et en plus, pour donner aux pauvres. Ça, c'est très très beau. On va voir le registre. Voir un petit peu ce qu'on peut faire pour 130$. Eh, c'est quand même moi... Putain, j'ai tout donné, hein, les gars. J'ai tout donné pour le camp. Chariot de remède de Strauss, 24$. Augmente la quantité totale et ajoute des médicaments miracles. Pour restaurer sans froid et des remontants, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, le chariot de remède... Ok, chariot de provision. Augmente la quantité totale et ajoute des fruits frais. Ainsi que des conserves basiques. C'est pas mal, ça, quand même, hein. Munitions d'Arthur. Augmente les fournitures d'armurerie. Ajoute des munitions pour carabines et flèches. C'est pas mal. Quartier de la bande. Améliore les quartiers d'Arthur et déverrouille la carte de voyage rapide qui vous permet de vite rejoindre les lieux déjà découverts. Déverrouille également le nécessaire de toilette. Putain, on pourra se laver.
Incroyable! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Relais de chevaux du camp. Acheter un relais de chevaux. Oh, un poulailler. C'est un délire. Acheter un poulailler pour le camp. Les ragoûts du camp sont plus nutritifs. Oh là là, il y a tellement de choses. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on va acheter pour voilà, 24$. Ça me paraît pas mal. Regardez, il y a Arthur qui donne. Je pense qu'on va acheter un chariot de remède. Ou alors un chariot de bouffe. Plus un chariot de provision. Allez hop. Ça c'est pour le camp, c'est la famille qui régale. La qualité et la quantité de nourriture disponible dans le garde-manger ont augmenté. Vous pouvez payer pour regarnir le garde-manger quand vos stocks sont bas. Ben voilà, c'est pas mal. Hop, on termine. On va garder de l'argent de côté. Les gars, dans 100$, on est les rois du pétrole. Très clairement. Et je pense que ça ferait plaisir d'améliorer nos quartiers. On va construire une vraie ville. Hein. On va se faire plaisir, hein, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donner. J'ai rien à lui donner. Amélioration d'artisanat. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? D'accord. Ah, d'accord. Ça, c'est pour des petits trucs esthétiques. Mais est-ce que ça sert? On dirait pas. Acheter des outils de travail en cuir via le registre. Très bien. Ouais, on dirait pas. On dirait pas. Ça, c'est juste pour être encore plus classe. Très bien. Pas ouf. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est manger. J'aimerais bien manger un petit truc sympa. On a quoi? Mr. Morgan! Oui, oui, c'est moi, frère. Mr. Morgan. Oh, putain. Je veux manger. Miam, miam. You know, sometimes I'm glad. Mais qu'est-ce qu'il y a, frère? Too many men. Too many men. This world, far more genteel. Mais, huh? Pas yeah, maintenant. Yeah, you can spare me the details. Allez, casse-toi. Yeah, I suppose this can wait. Non. Non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Je veux manger. Café, hop, voilà. Hop, je verse du café, hein, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui régale la famille. Ah non, je bois, je me sers. Très bien, bois. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, très clairement. Regardez mon sang-froid. Voilà, ça, c'est un beau noyau qu'on a là. On est pas mal. On est pas mal et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vu que vous avez pas eu de Red Dead pendant pas mal de temps, on va continuer. Oh putain, un bol de ragoût. Oh, on se fait plaisir. Oh là là, arrêtez! Arrêtez! Je vais rougir, on se fait plaisir. Si vous prenez un bol de ragoût, il vous faudra attendre plusieurs jours avant de pouvoir en prendre. Rien à foutre, allez hop, ça dégage. Eh, tu fais le ragoût, c'est pour la MIFA, ok? Avec tout ce que je contribue au camp. Maintenant, vous donnez, en plus... Il y a quand même Dutch qui va me donner, à mon avis, Dutch Qualitat. Une mission incroyable. Hop, ça dégage. Hein. Allez, boum, je veux plus en entendre parler. Allez, je me casse. On va voir Dutch. C'est parti pour une toute nouvelle mission. Quel bonheur! Dutch? Arthur. Oh! Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail.
Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Allez, on est parti, on va sauver le frérot, les gars. Hop, je monte sur mon beau cheval tout propre. C'est vrai que c'est excitant. Et on retourne à Valentine. On adore Valentine. Chevaucher jusqu'au salon de Valentine. C'est parti. On va se mettre en vue cinématique. Et ça risque d'être long, vous connaissez déjà le chemin. On va passer, tout simplement. Hein. On va pas perdre de temps, ça ne sert à rien. Et puis si ça parle et que ça dit quelque chose d'intéressant, je vous laisserai évidemment la cinématique. A tout de suite. I rode as fast as I could, didn't stop for nothing. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off of. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worry too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. And then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get them? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mike. It was drink that started all this. We'll just have a cup. Settle you down and head back, okay? Okay. Eh bien, il n'y aura même pas besoin de tout ça parce que on l'a... Oh, mais c'est ça mes couteaux de lancer, trop bien. Puisque on est déjà à Valentine. Oh, pardon. What kind of fight? Hop. Hey, is there a problem? Alors toi, mon frérot, dépecer, non, on va prendre. Putain, c'est un cerf, c'est un très beau cerf qu'on a en plus. Oh, c'est un très très beau cerf. Hein. Cerf de Virginie. Hein. J'ai envie de l'emmener au camp. On fait quoi? J'ai envie de l'emmener au camp tout de suite. Not bad, boy. Here we are. Allez, on y est. On est au saloon. C'est parti, on va faire voir notre frérot. On va se bourrer la gueule. Et après, on ira sauver Mika demain. Allez au bar. Ça, par contre, ça me plaît. Ça me plaît. Hey, cowboy. On y va. On va s'inculer, les gars. S'inculer, je dis. Allez, c'est parti, mon pote. Un double scotch. Pour moi et mon copain, s'il vous plaît. Ça coûte des hobards, des barres. Hey, excellent. Double jeu de mots, là-bas. Hop, il y en a, il est parti. Just one or two. Right, Arthur? Of course, just a drink. No big drum. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. Yeah. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Micah... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, Dullard! My lord, you men is dull. Je vais l'arracher, lui. And leave this fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored with being left alone. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Lui, c'est le loup en soirée. No pleasing some folk. Just trying to be friendly. Oh, les gens bourrés en soirée comme ça, les gars. Normalement, ça, attention, hein, ça va beaucoup plus loin. Ok, on est totalement déchirés. Bon, bref. Oh, sacrée soirée qu'on passe. Lenny, where are you? Lenny! My friend anywhere? Ok. Afraid I don't know. Il est parti où celui-ci encore? Hey, Lenny! Il est parti où?
Ok, elle a dit ne me pose pas la question, ne me demande pas à moi en gros. Très bien. Hey, where are you? You know which way my friend went? You all right there, slugger? Think your friend went upstairs. Ah, ok. C'est bon, on sait qu'il est monté. Hey! Casse-toi, casse-toi, la vie de ma mère! Je vais bouillir! Find my friend. You know where he went? No, sorry. Ok. Qu'est-ce qu'il est parti faire encore, ce con? Il est parti se faire ses sus! What are you doing, kid? Hello, Arthur! What? C'est toi qui m'as dit hello, Arthur, parce que je suis à deux doigts de bouillir, là. Il est là, Lenny! Mais qu'est-ce qu'il fait? What? I don't know! Why did you never marry? Gordon had me. That's the thing, you see, because it. Lenny? Lenny! Oh, mais merde! Get away from me! Close slippery little shit, ain't you? Lenny! Ok, j'arrive, Lenny! Oh putain. Oh, le con, il résiste trop bien! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Les gars! Oh putain! On est en FPS? Oui, j'ai essayé de regarder mon chibre. Mon chibre volumineux et énorme. Et qu'est-ce que c'est que ce putain de délire? 10 soirées quoi. C'est très long, hein. Je sais pas combien de vides, c'est bon. Ok, on est pas mal. Ok, le délire! Trouver Lenny dans le saloon. Found you, Lenny. Lenny? Maybe you should switch to water, my friend. Débarre. C'est quoi ce délire? Attends. Oh putain, ça me va pas, hein, les gars. La bière, ça me réussit pas. Hein. C'est une tripe ou quoi là? Parce que. Lenny. Ok. Bastard. Encore ce con. Il est là! Damn it, Lenny, stop slumping off on me! C'est un fake. Clyde, you got the wrong fella. Putain, mais la gueule qu'on a, quoi! Hop, je vais vomir. Hop, c'est fermé. C'est pas mal en FPS, hein, on devrait jouer. There plus souvent you are, Lenny. En FPS. Lenny, what are you putain, talking about? Sérieux, frère. Débarque, c'est que des Lenny. Regardez! Lenny, my boy! Lenny, go away! Mais merde, on va jamais le trouver, ce con! Arthur. Oh putain, il me fait peur! Arthur, where are you going? Le jeu de la gifle! Oh, oh, on se met des patates! You're a good friend of me, Arthur. Cheers. Cheers. Not you again. Arrête, je vais le tuer. Hop, encore un petit tour. J'ai pas envie de le noyer. C'est bon. Ils sont partis tellement loin, les gars. Ça dégoupille, c'est long mort. Ok, on se casse, les gars. On est parti. Vous m'aurez pas vivant. Mais ils vont choper Lenny, mais putain, le pire truc. Dutch, il va me fouetter. Hein.
Ok, on va passer par là. Oh, je suis boss. Ok, putain, le délire, les gars. C'est un délire. Sacrée soirée, en tout cas, qu'on aura passé là tous ensemble, je pense. Aller sauver Mika et maintenant Lenny, si j'ai bien compris. Hop, on dégoupille ses longs morts. Ouais, gros, c'est un jet d'une puissance catégorie 8 là, non? Ok. Mission terminée. Très très bien. On va. Non, c'est pas ça. J'ai pas envie de la rejouer la mission, non merci. On va regarder la carte. On a quoi là? On a RS juste à côté. Masquer la légende. Très bien. On a quoi d'autre? On a terminé la mission là? On est vraiment les boss? On a totalement terminé la mission, mais à quel moment? À quel putain de moment? Ah voilà, c'est là. Dutch nous a dit d'aller libérer Sean des chasseurs de primes qui le détiennent. Très bien. Et là, je suppose que c'est notre ami. Hop. Voilà, Mika. Dutch nous a demandé de sortir Mika de la prison. Bon! Il y a juste un problème, c'est que je ne sais pas où est mon cheval. Et ça, c'est assez terrible. Pour vous reposer, maintenez triangle. Vos noyaux ne se vident pas quand vous vous reposez et se rempliront légèrement s'ils sont presque vides. D'accord, quand tu appuies sur triangle, tu restes assis. Putain, c'est un délire. C'est encore trop, les gars. Votre noyau d'énergie est vide. C'est bon, je me repose. Votre énergie se restaurera plus lentement. On n'a pas un petit truc, les gars, pour passer toute cette drogue? Si on a ça, ça me paraît pas mal. On a ça, sinon on a ça. Ça me paraît pas mal aussi. On prend. Ok. Bon, c'est pas mal cette petite histoire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mon cheval me paraît beaucoup trop loin, non? Il est où? Il est là-bas? Non, vous déconnez. J'ai bien peur qu'il soit trop loin. Oh, c'est tellement stylé. Oh, le caillou. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune fichue idée. J'ai plus que ça comme arme sur moi. Oh. Attends. J'ai peur. Il est où mon putain de cheval? Non. Comment il est loin? Comment j'ai couru loin? Damn, Daniel. Très bien, très bien. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va, je pense, aller ici. Et on va s'arrêter là. Ça sera clairement la prochaine mission. Parce que là, ça risque d'être littéralement un enfer. Je suis à 8 km de tout. Et ça, c'est terrible, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead. Peut-être demain, peut-être après-demain. Bisous tout le monde, portez-vous bien. Aïe, non! Non, il faut que j'arrive à monter. Il faut que j'arrive à monter. Allez, c'est bon. Allez, bisous. Ciao, ciao.